Et salut tout le monde, c'est Sandwich30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Nous continuons notre aventure sur le mode légende. La dernière fois on avait battu Ganon et du coup je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec Linkle vu qu'on a déjà battu Ganon. C'est très bizarre. En tout cas, vous avez vu, le château est en mode crépuscule, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, on va jouer les arbalètes, parce que les bottes, on les a bien assez vues quand même. Les arbalètes, c'est mieux, hein, avec Linkle, clairement. Et j'ai vu qu'on avait Impa aussi. Donc, potentiellement, dans cette mission, on pourra jouer Zelda ou Impa, je sais pas, on verra. The dark beast, Ganon, had been defeated by Link and his allies. Hyrule Castle was free from the clutches of the powerful darkness. Together, Zelda and Link set out for the Temple of the Sacred Sword. There, they would seal away a fragment of the evil spirit. This surely would bring peace back to the land. Or so they believed. But no sooner had Link and Zelda departed when a new horde of monsters approached Hyrule Castle. Ganondorf had fallen, and the monsters were left without a leader. But still, they showed no hesitation in attacking innocent Hyruleans. Without Link or Zelda, or the allies who had come to their aid from other worlds, Hyrule Castle was left quite defenseless. In order to protect the people of the land, Impa gathered together battle-weary soldiers whose wounds had not even begun to heal. This, then, would be their sacrifice for Hyrule. They fought as valiantly as they could. At that moment, a girl approached the battlefield. Linkle's journey had been plagued by false starts from the moment she left her village. But she had finally arrived at Hyrule Castle. She witnessed the brave soldiers struggling to defeat the attacking monsters. Their courage kindled her spirit, and Linkle knew that the time had come to fulfill her destiny. She gripped tightly the compass hanging around her neck and readied herself to save Hyrule. Without another thought, Linka leapt into the fray amid the hordes of screeching monsters. En fait, ça se passe quand Link et Zelda partent pour sceller du coup la Master Sword, l'épée de légende, et en même temps sceller Ganondorf pour de bon. Très bien. Du coup, alors attendez, joueur. Donc j'ai pris la petite Linkle, d'ailleurs j'ai pris un skin pour elle, vous allez voir bien assez tôt. J'en ai pas beaucoup pour Linkle, donc j'ai pris celui que j'aimais le plus. Éliminer 1000 ennemis, j'ai un skin violet, j'ai un skin jaune et j'ai un skin pour Wind Waker avec la tenue d'Ariel de Wind Waker. Donc j'ai pris le skin jaune, vous allez voir il est sympa. Alors champ de bataille, voyons voir, il y a plein de moblins. C'est quoi tous ces moblins? What the fuck? Ok, il y a plein de moblins, très bien. Fort ouest de la plaine. Ok, un petit coffre ici. Et après, le reste, on sait pas parce que c'est dans un rocher. Plaine d'Hyrule. Ok, du coup, voici le petit skin que j'ai pris pour la petite Linkle. Ça va bien avec ses arbalètes, je trouve. Alors, c'est parti. Nous sommes les seuls à pouvoir défendre le château. Nous devons repousser l'ennemi. D'ailleurs, c'est un peu con que Linkle n'ait pas participé à la bataille contre Ganon. Parce que, bon, elle a un petit peu une boussole du héros, etc. Mais bon, en fait, finalement, elle sert à rien, quoi. Alors, écoutez, on est parti. Éliminer les monstres qui attaquent les capitaines. J'aime bien le style. C'est un peu bête, d'ailleurs, qu'on puisse pas choisir le stage en mode crépusculaire, en mode normal, en mode des ténèbres. C'est un peu stupide, je trouve. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Compte sur moi! Allez, hop, on utilise cette attaque-là. De toute façon, avec Linkle, je vous avais vraiment tout montré. Hein. On avait vraiment tout fait au niveau de ce personnage. Alors, ici, il faut qu'on prenne ce fort. Je crois que c'est avec Impa qu'il faut que je prenne le quart de cœur. Donc, ça tombe bien. Allez, voilà. Toi, tu dégages. Super. Et du coup, ouais, c'est un petit coffre rouge. Ah non, c'est avec Linkle. Attendez. C'est avec Linkle qu'on a le fragment, finalement. Ah bah ouais, d'accord, ok. C'est moi qui ai mal compris ou mal lu, je sais pas. Enfin, j'ai vraiment pas fait attention non plus, quoi. J'ai vraiment pas analysé à fond la mission, je dois bien vous le dire. Alors, dépose un cœur et se retire
temporairement. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, c'est bon. Nickel. Le Moblin, il est KO. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. On s'en souvient qu'il y avait un rocher là-bas dans la mission avec Ganondorf, il me semble. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose pour la petite Impa? Non, il n'y a rien du tout. Ici, un petit rocher? Non? Non? Ok, l'attaque des monstres a fait tomber plusieurs forts de l'armée d'Hyrule. What? C'est quoi tous ces forts là? Qui sont tombés? C'est honteux. Attendez, c'est quoi cette armée nulle là? On a battu Ganon, donc normalement les ennemis devraient plus être là, mais bon, c'est pas très grave ça. Oh là là, attendez, il va se faire tuer lui. Attendez, attendez, attendez. Il y a lui là. Ok, Impa est jouable. Très bien. Impa, elle est où? Ouais, elle est là-bas. Bon, ça tombe bien. Ok, c'est pas grave. On va partir de là. On va aller dans la fontaine de la déesse pour voir s'il y a, eh bien, un petit rocher. Ça pourrait être sympa. Je bats en retraite pour le moment. Je prie pour votre salut. Ok, là, il n'y a rien du tout. C'est dommage. Ok, grappin surpuissant. Ok, des rubis. Bon, ben, je prends. La petite Linkle, elle va partir vers là-bas. Voilà. Et pendant ce temps, nous, avec Impa, on va les défoncer, tout simplement. Le Gibdo. Allez, hop, c'est parti. Normalement, on les one-shot. Hein. Et ben voilà, parfait. Ça dégage. Nickel. Oh, tous les rubis, j'adore. Bon, ben là, c'est bon. On a tout terminé. Hein. Courage, nous devons tenir bon. Ok. Ça nous fait 72 KO de plus. Je vous rappelle qu'il y a quand même une sculpture là à avoir avec 1000 ennemis. Donc il faut se bouger un peu les fesses quoi. Allez. Vous avez vaincu les monstres qui avançaient. Parfait, continuons comme ça et nous arriverons à chasser les monstres. Allez, hop, toi tu meurs. Parfait, ici, un peu de magie. Compris, compte sur moi. Là, il n'y a rien. Oh, pas mal, un petit rocher. Voyons voir ce qu'il y a. Oh, en danger. C'est nul ça. Ok. Là, il y a un petit coffre pour Impa. Je vous passe la cinématique, hein. De toute façon, on l'avait vu. Bon, il faut qu'on se dépêche de tuer les ennemis, quand même. Éliminer les monstres qui attaquent les capitaines d'Hyrule. Ben, je veux bien, oui, un capitaine fuit. Oh là là, c'est pas bon, ça. Allez, ça dégage. Les Moblins, malheureusement, ils sont faibles contre le feu et non pas contre l'eau. Donc, j'aurais peut-être dû prendre le Naginata avec Impa. Mais bon, on m'a pas laissé choisir, quoi, donc... Moi, je veux bien prendre le Naginata, mais bon, il ne me laisse pas le choix. Allez, hop, ça dégage. Voilà. Bon, là, on a récupéré tous les cœurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tenez bon, je vais faire de mon mieux. De la nourriture argentée, je prends. Allez, hop, on y va. Oh là 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 là. Un des Moblins est KO. Vous avez sauvé un des capitaines d'Hyrule. Alors, attendez, c'est lui qui a tué le capitaine tout à l'heure, là? Il faut que je le tue, lui. 1, 2, 3. Super. Je sais pas où va se trouver la sculpture là. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai pas vu de rocher troll où il y avait rien dedans. Un capitaine d'Hyrule fuit. Encore ? Un Moblin reprend du poil de la bête et avance sur le château d'Hyrule. Attendez, attendez. Il faut que je me dépêche de le tuer, lui. Voilà. Comme je vous ai dit, ils sont faibles face au feu. Hein, et comme l'arbalète, c'est une arme de feu, eh bien, ça fait pas mal de dégâts. Hop, 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 hop. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais l'arbalète de Linkle, c'est avant tout une référence à Link's Crossbow Training. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué, hein. Mais bon, ça fait pas de mal de le rappeler. Ouais, non, ça sert à rien de claquer ma fée ici. Je pourrais la claquer là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est des Moblins, d'accord, ok. Enfin, des Moblins, c'est pas des Moblins, c'est des Bublins, je crois, ça s'appelle. Ok, ça c'est bon, ils sont tous morts. On va prendre ce fort ici. Moi non plus, je ne perdrai pas. Alors, c'est bon. On va tuer, voilà, ce boss. Il faut que je prenne le contrôle de ces deux forts-là. Donc, eh ben, écoutez, on est parti. Allez, hop. J'adore cette phase en mode TPS, là. Trop bien. Allez. Super. Il est où, le boss? Il est où? Ah, il est là, ok. Tiens, mange. Parfait. Ça, c'est bon. Et il faut qu'on tue encore pas mal d'ennemis pour arriver aux 1000. 1, 2, 3. Eux aussi sont faibles face au feu, il me semble. Hop, les gibdos normaux, ouais, ils sont faibles face au feu. Par contre, les gibdos ardents, ils sont faibles face à l'eau. Vu qu'ils sont ardents. Alors, on claque la fée ici. Et ben, ça nous fait les 1000 KO. Ben voilà, parfait. Alors, attendez, elle est où, Impa? Elle est en haut.
Ouais, je pense que ça va le faire. Alors attendez, déjà on se charge d'eux. Vite fait, bien fait. Hop, 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 hop. Allez, vite, vite, vite. Purée, Lincoln, elle met du temps à tuer les forts, hein. Enfin, à tuer les forts. À prendre les forts plutôt. Il est où? Il est là. 1, 2, voilà, super. Allez, go. Est-ce qu'elle est là, la sculpture là? Non, elle est pas là. Elle doit être vers mon fort. Alors, est-ce qu'elle est là? Je l'entends. Ah, elle est vers là-bas, je pense. Ok, elle est ici. Parfait. Sur le mur. Nickel. Bon, on va tuer le mot blanc en 2 secondes. Un petit coup spécial et c'est mort. Et ben voilà, parfait. Et du coup, il se passe quoi là? Le moblin est KO. Ouais, très bien. Et ben voilà, éliminer les monstres qui attaquent les capitaines, c'est bon, c'est fait. Et c'est terminé ou quoi? Mais il n'y a pas de base ennemie d'ailleurs dans cette mission. À nous de jouer maintenant, personne ne peut nous vaincre. Ben oui, il n'y a pas de base ennemie. Nous avons réussi à limiter les dégâts grâce à Linkle. Soldat, écoutez-moi, lançons la contre-attaque. C'est quoi? Oh! Je l'ai jamais vu, lui! Le roi Dodongo. Ah non, mais attendez, mais c'est quoi ce boss, là? Vous avez vu? Il est tout noir. Et en plus, c'est vraiment le design de Ocarina of Time. C'est quoi ce monstre super grand? Bah ouais, alors vas-y, ouvre la bouche, voilà. Parfait. Quoi? Attendez, quoi? Ah, je crois qu'il y a un délire. Je crois que c'était comme ça dans Hyrule Warriors sur Wii U. Il y a un délire en mode les comment ça s'appelle? Les boss noirs ne prennent pas de dégâts via les items. Ils prennent que des dégâts via de la magie, il me semble. Du moins, on peut pas les faire tomber, quoi. Attendez, mais je peux pas l'avoir. Comment je le tue, lui? Oh purée, ça va être chaud. Alors attendez, Linkle. Linkle, il faut qu'elle aille vers là-bas. Déjà, là, il y a un gîte d'eau. 1, 2, 3. Oh non, quoi? Il m'a arrêté. C'est pas possible, ça. Hein. Voilà. Ok, c'est bon, il est mort. Donne-moi de la magie. Moi, il me faut de la magie pour tuer le boss, là. Ok, il me donne pas de la magie, c'est un peu con. Toi, tu me donnes de la magie ou pas? Tu donnes pas de la magie. Oh là 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 là, ça va être chaud! Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être bizarre. Ok. C'est bon, lui, il est mort. Il faut pas qu'il arrive vers ma base alliée, lui, hein, parce que sinon, il va tout détruire. Attendez. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oh ouais, parfait, de la magie. Ok. Est-ce qu'on peut l'avoir via la magie? Alors, attendez. Tiens. Est-ce qu'on l'a ou pas? Non, on l'a pas eu. Et comment on l'a? Je comprends pas. Alors attendez, peut-être qu'il faut que je tue. Nous ne pouvons rien faire contre lui. Occupons-nous des autres ennemis d'abord. Ah ben voilà, ok, c'est scripté alors du coup. Toi tu meurs. Mais il me semble qu'il y avait un délire comme ça dans Hyrule Warriors sur Wii U. Les monstres géants noirs, on peut pas les tuer de façon traditionnelle. Ok, donc ça c'est bon. On a vaincu les puissants monstres. On va pouvoir s'occuper du roi Dodongo. Bah ouais, je veux bien. D'autres puissants monstres apparaissent. Oh non, c'est pas possible. Attends, c'est pas vrai. Il y a encore des monstres en plus. Oh là 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 là. Absorption de la magie du boss. Attendez, et pourquoi il y a plein de monstres là? C'est quoi ce délire? Ils sont beaucoup trop nombreux. Nous n'allons pas pouvoir tenir longtemps. Mais ouais. Les capitaines Virul reviennent sur le champ de bataille. Ok. En fait, ils sont nombreux, mais bon, je peux les tuer en 2 secondes quoi, moi, mais... C'est juste que c'est un peu relou, quoi. Allez, vous mourrez. Ok, ça fait plaisir. Ouais, toi, là-bas. Tu meurs. Ok, parfait. Et normalement, il y en a 2 qui restent. Ok, ils sont là. Mince, je vais pas avoir l'autre. Si, je l'ai eu. Oh, parfait. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ah, ma boussole! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, sa boussole? D'accord, il est redevenu normal. Qu'est-ce que cette boussole a calmé la fureur du roi Dodongo. Mais vous avez vu comment ça se fait qu'il est aussi bizarre le roi Dodongo là? Vite. Ok, parfait, c'est bon, je l'ai eu. Bon bah c'est bon, on va le tuer là. Ça va être simple hein. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. On va utiliser le coup fatal. Voilà. Encore une fois.
Et je pense qu'on va le tuer, hein. Voilà. Est-ce qu'il est mort? Oui! Oh là là, parfait! Je te félicite. Merci Damimpa, je suis heureuse d'avoir pu remplir mon rôle d'héroïne. Je suis sûre que ma grand-mère est fière de moi. Haha, elle peut l'être. Et finalement, on n'aura jamais vu Linkle et Link interagir entre eux, quoi. Ok. Eh ben écoutez, on a terminé cette mission. Parfait. Génial. Griffe du roi Dodongo. Alors, il n'y a pas de matériel spécifique à la couleur, du coup, du roi Dodongo. Et on a récupéré, du coup, un morceau d'illustration. Ça fait plaisir. Ah, The Wind Waker, une nouvelle épreuve. Ah, ça fait plaisir. Alors, du coup, là, on a tout terminé. Là aussi... Et bah écoutez, forteresse maudite la prochaine fois, nouvel environnement, élément efficace haut, Link plus Tetra, ça va être génial. Peut-être qu'on va reprendre la grande fée, alors je sais pas, à moins que je fasse cette mission. Non, quoique, non, je vais pas faire cette mission pour la faire en mode libre, pour vous montrer d'autres personnages, non. On va faire cette mission de façon normale parce que je suppose qu'il va y avoir des cinématiques et tout, donc j'aimerais bien avoir la surprise en vidéo quoi. Écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Hyrule Warriors Definitive Edition. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve, écoutez, très prochainement pour la suite de notre Let's Play. Et ce sera sur la partie The Wind Waker. Allez, ciao ciao !